Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester trois nouveaux tuyaux fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Alors, avant tout ça, j'aimerais vous dire merci pour les 500 abonnés sur ma chaîne YouTube Lumalux. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Du fil du temps, ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Et depuis, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, et franchement, je suis vraiment content. Et du coup, bah, forcément, une vidéo dédiée aux 500 abonnés sera postée d'ici un petit moment, ça dépendra, mais d'ici moins d'un mois, ça sera fait déjà. Ça sera déjà posté. Donc voilà, en grand. Donc, je vais commencer à tester ce tube Osram. Alors, c'est un tube Osram L36 watts 20 Alloy School White, fabriqué en Allemagne. Donc le tube, il m'a pas l'air d'être super en bon état là. Je veux dire, déjà il est bien poussiéreux, et puis vu comment il est cramé là, cette trace là elle m'inspire pas confiance du tout. Donc on va tester ça. C'est parti, 1, 2, 3. Est-ce que c'est branché déjà correctement? Bah, ça commence déjà mal. Bon, bah, celui-là, il n'a pas l'air d'être en bon état, hein, plutôt en fin de vie, par cette électrode-là. Ouais, j'ai retourné le tube. Non, il est vraiment claqué de ce côté-là. Le côté encore ça va, mais là c'est de ce côté-là qui fait que ça ne fonctionne pas correctement. Bon. Dommage, hein. Genre, après j'en ai une petite quantité de ces tubes-là, donc bon, je m'en fous un petit peu. Mais bon, voilà, c'était un tube comme à avoir quand même. Bon, tant pis, hein. Ensuite, au suivant, on a c'est un tube Osram L36W 840, donc blanc neutre, fabriqué en Allemagne. Donc là, c'est une version beaucoup plus récente, hein. Alors, je vais le connecter via l'autre douille. C'est parti, hop. Ah! Ah, là, d'un coup, là, ça m'a l'air d'être un peu plus correct quand même, hein. Alors, le tube, il est à peine marqué, je pense qu'il est même neuf. Donc vraiment, je suis content là. Il a l'air d'être très bon état. Voilà, non mais franchement, je suis content. Celui-là, il fonctionne super bien. Voilà. Même pas marqué d'un poil. Non, franchement, je suis content. Alors celui-là, au moins, il fonctionne correctement. Et le dernier tube fluorescent, c'est un Osram encore un peu plus ancien, des années peut-être 2000, 2003, 2004. Osram L36 watts 840, donc un blanc neutre encore, recyclable, AG. Donc bon, ça veut dire mercure, mais d'accord, mais oui, c'est pour dire que qu'il y a du mercure dans le tube, mais ça c'est normal d'ailleurs. Hein. Et fabriqué en Allemagne. Donc les fameux Osram avec l'arbre. Bon, est-ce que le tube fluorescent va voilà, se mettre correctement? Voilà. Et bien là, c'est pareil, le tube a l'air de fonctionner vraiment bien. Bon, un peu plus usé par contre, là, ça se voit qu'il a été utilisé parce que déjà rien que ce côté-là, on voit que l'électrode est toute bleue et voilà quoi. Et au fond, on voit bien qu'au fond, voilà quoi. C'est un peu marqué, mais ça va, franchement. Ça aurait pu être pire. Hein. Là, je vais retourner dans l'autre sens. Oula, oui, contre là, oui, en effet, là, ça a bien marqué hein, de ce côté-là. Hein. Mais il fonctionne toujours, hein, visiblement, il n'y a pas de souci sur ça. Il fonctionne toujours, donc ça, c'est super cool. Donc, finalement, ça fera
deux tubes sur trois qui fonctionnent. Donc bon, c'est pas mal, hein. Il y avait vraiment ce Osram-là, celui-là, là, des années 80, 80, plutôt que des années 80, celui-là, il est mort, enfin, il est en fin de vie plutôt. Ça fera une vidéo de fin de vie de fluorescent de tube encore, de tube fluorescent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà. Vraiment, je suis content pour ces deux tubes que j'ai pu encore une fois récupérer, encore une fois de plus sur ma collection, parce que j'en avais pas autant des tubes, surtout de cette version-là. On peut croire qu'en 36 watts j'en ai énormément, mais non, hein. J'en ai surtout en 18 watts, mais en 36 watts, non, si j'ai un blanc chaud, mais c'est tout, j'ai pas un blanc neutre. Et ça, bon, bah ça, si, ça, j'en ai quelques-uns, mais surtout en 18 watts. Donc voilà, ben c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci pour les 500 abonnés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!